Bonjour à vous, un tout grand merci d'être là pour la séance du jour. Et aujourd'hui, eh bien voilà où nous nous trouvons. Voilà, nous sommes ici dans un cadre absolument magique qui se trouve autour de Saint-Rémy-de-Provence, auprès du plateau de la Croix. Et là, nous avons un arbre absolument extraordinaire. C'est près de lui que je vais m'asseoir. Il me rappelle une aventure absolument extraordinaire que nous avions vécue en République démocratique du Congo. Et donc ce sera un moment chargé de souvenirs, un moment chargé de bonheur et de grande joie. Eh bien voilà, je suis bien installé, je suis prêt à accueillir le matin, à accueillir le meilleur de la journée grâce à ce jeu du cœur inventé par une demoiselle de 4 ans et demi. C'est donc vous dire à quel point cet outil, ce jeu du cœur est puissant. Il nous vient vraiment de l'énergie d'amour pur des enfants. Et ici, c'est une demoiselle de Belgique dans une école à Nivelles. Et avant toute chose, j'aimerais vous poser cette question. Avez-vous envie de créer des jeux du cœur pour vous, pour vous-même? Parce que c'est très facile de l'apprendre, c'est très facile d'en créer. Avez-vous envie de créer des jeux du cœur avec vos enfants, si vous en avez en famille, avec vos enfants, si vous en avez en classe, avec les enfants dans votre école? Donc voilà, la question est posée. Si vous souhaitez créer cela, juste ici, dans la publication, en dessous, eh bien, vous m'envoyez un petit mot. Oui, je souhaiterais avoir des renseignements, je souhaiterais être contacté pour apprendre, pour savoir comment, pour avoir des informations, pour savoir comment nous pourrions ensemble créer des jeux du cœur autour des enfants dans le monde. Donc merci à vous pour ces questions, merci à vous pour ce témoignage d'intérêt. Et donc, allons-y. Je vous montre le mouvement que cette demoiselle m'a présenté. Il part du cœur. Et simplement sur l'inspiration, on va ouvrir les bras grand, 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 très grand. Et puis on va ramener cette énergie dans le cœur. Alors quand j'ai posé la question à cette demoiselle, comment vas-tu appeler ce jeu? Parce qu'en général, il venait près de moi me présenter un mouvement et ils faisaient leur mouvement. Et puis je leur posais la question, comment vas-tu appeler ce mouvement, comment vas-tu appeler ce jeu du cœur, cette micro-pause de paix? Et là, elle me répond, l'accueil. Comme nous étions le matin, ma première idée, oh mais c'est génial, ça c'est l'accueil du matin, et je dis à l'institutrice, mais c'est génial, hein, tu vas pouvoir faire ce jeu tous les jours au matin. Et puis avec le temps, très régulièrement, si vous souhaitez créer des jeux, vous allez voir, il y a des variantes qui arrivent, il y a des idées nouvelles qui arrivent. Et puis, ce jeu, je l'ai appelé l'accueil du meilleur. Parce que ça nous permet de vivre ce jeu n'importe quand, à n'importe quel moment de la journée. Nous sommes amenés à accueillir le meilleur, à augmenter ce qu'il y a de bon en nous, à augmenter ce qu'il y a de meilleur dans toutes les situations de vie. Et si on fait ce jeu régulièrement, eh bien, vous allez voir que petit à petit, votre corps, eh bien, il va accueillir cette attitude de vie, ce regard émerveillé que l'on a sur la vie. Et vous allez naturellement vivre chaque situation qui vous vient en observant ce qu'il y a de meilleur pour vous. Je ne vous en dis pas plus. Je vous invite, une fois que vous aurez découvert cet art de vivre, là aussi, à mettre des commentaires. Eh bien oui,
Aujourd'hui, j'ai observé une situation qui m'arrive régulièrement et dans laquelle je me mettais en colère. Et là, la suite, elle vous appartient. Et donc, il y a moyen d'envoyer énormément de témoignages sur cette découverte que l'on fait à travers les yeux du cœur. Nous ferons un grand plaisir. Nous accueillerons ces témoignages, ces commentaires avec énormément de joie. Alors, si vous êtes prête, si vous êtes prêt, eh bien, je vous invite, comme moi, soit à vous asseoir en étant bien en contact avec le sol, soit vous mettre debout, près d'un arbre de paix, ou simplement là, chez vous, devant votre ordinateur, devant votre téléphone. Et à commencer à accueillir le meilleur à l'intérieur de vous. Pour cela, je vous propose de mettre les deux mains sur le cœur, de vous tenir bien droit, ou de vous tenir bien droite, et puis de commencer à respirer paisiblement, avec cette phrase qui tourne dans la tête. J'accueille le meilleur dans ma vie. Je vous invite à imaginer que nous sommes de grands arbres de paix. Et à imaginer qu'il y a des racines qui partent de vos pieds et qui s'enfoncent dans le sol. Ces racines de notre arbre de paix permettent de nous faire grandir et de ressentir cette paix que nous sommes dans notre cœur et dans chacune de nos cellules. Mes racines s'enfoncent profondément et elles vont chercher la joie, le plaisir, l'amour, le bonheur d'être ici et maintenant et de vivre ce moment. Nous accueillons ce moment comme le meilleur moment de notre vie. Comme c'est bon d'être ici avec vous. Nos racines se rejoignent, s'entremêlent, s'entrelacent. Et nous sommes joyeux, nous dansons la vie ensemble et nous allons chercher tous les enfants dans le monde. Toutes les racines des enfants dans le monde qui jouent à ces jeux du cœur. Comme c'est bon d'accueillir ces moments. Je vous invite à ouvrir les yeux et puis à faire ce mouvement pour bien engrammer dans nos cellules. On inspire et on ouvre les bras. On regarde la main qui s'ouvre et puis on souffle et on accueille. Oui, je suis capable d'accueillir le meilleur dans ma vie à chaque instant. Puis on recommence et on regarde de l'autre côté pour bien équilibrer le cerveau. Lentement, on inspire. Bon de ressentir, j'accueille le meilleur dans ma vie, chaque jour, chaque instant, et je souffle, je le dépose dans mon cœur, dans chaque noyau de chacune de mes cellules. Puis à nouveau, je recommence, j'inspire. Et puis je souffle. Je vous propose de le faire une dernière fois. Comme c'est bon ce sourire qui s'installe dans notre cœur. Puis là, je vous invite à nouveau à respirer paisiblement dans le cœur. En laissant tourner cette phrase, j'accueille le meilleur dans ma vie à chaque instant.
Je vous invite maintenant à ouvrir les yeux si vous les aviez fermés, puis à ouvrir le nid de la colombe et à partager cela, à offrir cet art de vivre, cette philosophie à toutes les personnes qui sont ici et qui vivent ce jeu du cœur en même temps que nous. Et puis à envoyer un immense merci à tous ces enfants, à toutes ces personnes qui pratiquent chaque jour ces jeux du cœur avec nous. Et là, nous sommes de nouveau de grands arbres de paix. Nos branches sont grandes ouvertes pour accueillir les merveilles de la vie. Nous formons un entonnoir avec nos bras. Et nous accueillons les merveilles de la vie, les merveilles de l'univers. Et puis à nouveau, je vous invite à recevoir dans votre cœur. Et j'apprécie, je reçois votre amour, je reçois votre joie, je reçois le meilleur de ce qu'il y a en vous, dans mon cœur. Un tout grand merci à vous. Voilà, et maintenant le jeu est terminé, nous venons de faire un grand travail énergétique, je vous invite donc à boire de l'eau et à boire régulièrement de l'eau au cours de la journée. Je vous invite également à refaire ce jeu très régulièrement ou à refaire celui d'hier et d'accueillir les changements, d'accueillir les transformations qu'il y a à l'intérieur de vous. Une dernière chose. Les grands influenceurs le font en début de vidéo, je le fais à la fin, j'ai confiance en vous. Vous le savez, ces vidéos sont réalisées mais afin de soutenir, afin d'accompagner, afin de créer énormément de possibilités avec les enfants qui vivent dans des conditions excessivement difficiles dans le monde. Donc merci pour votre générosité de cœur, merci pour vos dons, merci pour vos questions. Merci pour votre envie de vivre et de donner du sens à votre vie. À très bientôt, c'est-à-dire à demain. Merci, merci.